Cela fait près de 30 ans que Patrick Bruel a intégré la troupe des Enfoirés, pour la représentation annuelle en faveur de l'association Les Restos du Cœur. Une régularité à toute épreuve qui démontre son degré d'implication dans le projet. Mais après autant de temps passé au sein du collectif d'artistes et de personnalités de bienfaiteurs, il s'apparente désormais à un véritable taulier de l'organisation. Il n'arrive pas à me virer, avait-il notamment déclaré à ce sujet au cours d'une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs. Depuis que j'ai commencé, je n'ai raté aucune édition mais je n'ai raté aucun concert, surtout. Je ne dis pas que je viens assidûment avant aux répétitions, mais au moins j'essaye de faire toutes les représentations, développa-t-il. À tel point que certaines rumeurs ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Lors d'un passage à la station Sud Radio le 17 mars dernier dans l'émission La Culture dans tous ses états, il a notamment été interrogé sur l'une d'elles. La présentatrice du programme, Céline Alonso, lui demande ainsi, « Actuellement, il y a une rumeur qui buzz sur vous sur les réseaux sociaux, vous auriez demandé à ce que les distributions des Restos du Cœur soient réservées à ceux qui ont un schéma vaccinal complet de 4 doses. Je veux absolument votre réponse parce que ça buzz. On ne va pas laisser ça comme ça » ce à quoi l'interprète de la chanson Place des Grands Hommes rétorque, « Jamais de la vie. Avant d'argumenter, si est-il une fake news totale. J'ai bien vu les images fabriquées comme si BFM TV avait fait un bandeau, même les gens de la chaîne étaient outrés et je le suis aussi évidemment. » D'autant plus que ce n'est pas la première fois que Patrick Bruel est victime de canulars sur Internet, puisqu'il doit aussi faire face à des tentatives d'usurpation d'identité. Les fake news, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des salopards qui se planquent derrière des faux comptes pour essayer de soutirer de l'argent en mon nom, il y a une arnaque même qui est en train de se faire, attention, sur le domaine de Léos, son domaine viticole, note de la rédaction. Mais tout ça va aller déjà devant la police, et ensuite devant la justice, parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Si est-il lamentable, a ainsi déclaré le chanteur.